service des religions. Alors ça, c'est très bien. Oh, effectivement, sur... Où ça? Qui a proposé la service des religions? C'est une excellente. Ah, je veux... Tourche. Merci, Tourche. Ah, Tourche, merci. Mais non, mais casse-toi. Et c'est tout, tiens, fais gaffe. Hein, tellement l'habitude. Pas... Tellement l'habitude de la radio. Nous sommes en direct et il est parti pile quand on lance le stream, c'est incroyable, quel professionnalisme. T'as 19h, il est 56, ok? Ouais, je sais, mais je lance quand je veux. Oh, on dirait Jiraya, mais en moche, il a pas entendu. Bonjour YouTube déjà, puisque cette vidéo sera sur YouTube. C'est une émission concept de Coup d'œil dans le rétro qui sera l'émission qui va revenir à la rentrée sur Game Trip. En lieu et place du podcast Game Trip FM... qu'on faisait chaque mois sur, à la radio et sur Spotify et sur YouTube et sur Game Trip. On va recommencer à faire en toutes les semaines comme on faisait tout au début avec le tout premier podcast. Est-ce que finalement c'est pas un petit peu grâce à moi qui ai mis la banane pendant genre 2-3 émissions et qui finalement vous ai un peu forcé la main pour faire des trucs à distance? C'est un peu grâce à toi et beaucoup grâce à lui. C'était horrible ça. Et là, ce soir, on fait une espèce d'émission zéro pour voir un petit peu comment ça peut être quand ça non, sera... 0,2 quoi. 0,2 puisqu'on avait déjà fait une émission zéro où on avait joué à Timberwolf Park. Park. Et donc du coup, voilà, maintenant on est sur Twitch et on va faire ça toutes les semaines dans cette nouvelle émission qui va parler comme de d'habitude, on s'en doute, de... rétro gaming avec un thème ah bon toutes les semaines. Oui, on va faire une tier list parce que toutes les chaînes putaclic de nos jours le font. Donc ouais, c'est un peu la mode depuis un mois et demi. Les gens se font chier avec le confinement. Je l'ai vu vachement. Wanky l'avait fait vachement. Ils ont fait ça sur sur les hauts tacos, les hauts kebabs et toutes les boutiques de bouffe. Sérieux. Et du coup, nous on va faire avec des trucs qu'on maîtrise un peu plus que les hauts kebabs. C'est les consoles. Pas sûr de ce que t'avances, mais... Même moi, je suis pas sûr. Personnellement, si, moi, je crois que je suis allé une fois au kebab dans ma vie. Au taco, je suis jamais allé. Ouais, mais on ira bientôt. Il faut payer, hein, au bout d'un moment. Ça me va. Au pire, juillet, de toute façon, les enfants. Exact. Pour rappel, hein, je suis absolument pas un mauvais perdant. Et tant mieux pour vous que je n'ai pas gagné, sachez-le. Pour jouer. Et c'est vrai, on le dit, c'est... vous avez perdu, mais c'est une bonne occasion de nous retrouver tous, puisque la dernière mission qu'on a fait, c'était en novembre pour toi, et c'était en février la dernière mission qu'on a fait en live, et il n'y avait que Yako, on était en confiné. Et donc, 15 jours après, voilà, on aurait dû terminer nos émissions live podcast en direct tous ensemble à 5 là, ce mois-ci, on aurait dû faire la dernière. C'est pour ça que là on est là, mais en caméra, hein, bah, et on se dit, tiens, c'est quand même vachement mieux hein, de pouvoir être chez soi. Affalé dans un fauteuil en cuir de vachette pour Jay. Avec un petit ventilo. T'as un petit ventilo? Il fait si chaud que ça chez toi? Non, il tourne pas là, mais au cas où. C'est juste pour placer le fait qu'il avait un ventilo. C'est genre les papas du game, quoi. C'est les incontournables. Les papas du game. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime les bien, S. Je prends. Par contre, il y a les un S triple papa, A, quand même. Pour pas compliquer le truc. Les papas. Il y a un S, alors les papas du... Les papas du game, game. Ouais, je dirais qu'il y a un S. Voilà. Ça c'est fait. Ok. Ouais, je me sais pas. Ce qui est bien, mais bien mais pas top. Ça c'est comme ça. Non, le bien mais pas top, c'est un peu en dessous quand même. Mais wesh, mais presque. Bah oui. C'est moyen pour moi, c'est ouais, milieu. Ouais. Bien c'est mais celui pas top. Qu'on va faire maintenant. Ah, le milieu. Qui est bien mais pas top. Le milieu, c'est bien. On fait une catégorie overrated. Bah là, overrated, c'est plutôt le dernier. Alors, c'est plutôt la D, non? Ah non, moi non, j'aurais, la D, j'aurais, la bonne overrated, chose. J'aurais mis en avant-dernier et en dernier j'aurais mis genre ça sent des yep quoi, tu vois. Ou poubelle, ouais, poubelle, chier. Ça sent des yep, j'aime bien. Ça sent des yep de la console. Parce que c'est les yep de la console, du coup. J'ai pris un truc, je me suis pas fait chier à le faire moi-même, hein, j'ai pris un truc qui existait. Ah, le Fanias. Ah ouais. C'est quoi cette merde? C'est une Wii? Je sais pas, de là, je vois pas. Mais ouais. Non, c'est une Wii U, la Wii, elle est blanche. Non, la Wii, elle est après, là, elle est dans la première ligne. Elle est là, non. La Wii. Ah non. Ça, c'est une Wii U. Ouais, Il y a deux Wii U. C'est quoi,
Une nuit noire. Ça commence bien, on n'arrive même pas à voir ce que c'est. Bah sinon, on va déjà faire celle qu'on sait ce que c'est. Alors, ça, c'est le Mega Drive. Ça, c'est une Dreamcast. Bon. Alors Yako, il veut nous casser les couilles pour la mettre en. On va la mettre là. Hein. Mais non, c'est une papa du game. Bon, c'est pas une papa du game, mais non. Tout de suite, tu l'as mis là où tu l'as. Mais tu l'as la PlayStation. Alors, au milieu, franchement, au plus, elle va dans le wesh, mais presque. Genre, vraiment au milieu, tu vois. Mais plutôt dans le milieu. Bien sûr que. Premier truc avec une vraie connexion internet. Port 4 manettes. Oui, mais en fait, ça dépend si t'es sur la technologie, en gros, est-ce que, genre, ce que la console a apporté, ou alors sur, je sais pas, la qualité des jeux ou la hype qu'a généré la console ou les ventes, quoi. Ah, d'accord. Il y a plein de critères. Donc, je veux bien concéder le wesh, mais presque. Comme ça, je salue l'effort. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que si tu prends la technologie que ça a apporté, dans ce cas-là, la Wii, elle est dans papa du game, parce que c'est... Non, mais au-delà de la technologie, tout le catalogue de jeux, tout ce qu'elle a pu apporter, le fait que ce soit la dernière console de Sega, qu'elle a été faite que pour... entre guillemets, reconquérir le cœur des anciens joueurs qui ont été déçus par la Saturn, et ils ont très bien réussi leur coup. Comment on veut dire c'était la dernière, bravo. Ça leur a pas trop donné envie de continuer, a priori. C'était la dernière, c'est pas pour rien. Mais en fait, c'est ça qui est chaud, c'est que si c'est un échec comme ça au Japon, c'est que c'est compliqué. Il fait des trucs sans nous demander notre avis, là. J'ai rien fait. Je mettrai la PlayStation dans les papas du game. Oui, avec Play, on est assez d'accord. Bon, la PlayStation, la 64, forcément. Ah, il y a une mini play aussi. Ah ouais, il y a la PS1. Pourquoi ils ont. Il n'y a pas des portables là-dedans. Il n'y a pas de console portable là-dedans. Bon, non. Parce que pour moi, la Game Boy, elle avait la place dans les. Il n'y a pas de téléphone mobile non plus, désolé. Désolé, Yako. moi, je mettrais la NES au moins en wesh, mais presque. Mais... Ah, est-ce qu'on ne mettrait pas la NES dans les papas du game qui est juste là Je pense. La génitrice de énormément de licences. Mais dans ce cas-là, tu mets aussi la Super NES. Enfin... Oui. Ah ben, moi, je dirais qu'elle est du même acabit que la Mega Drive. Et donc, je la mettrais plutôt dans Wesh, mais presque. Parce que là, en fait, on va se trimballer tout Nintendo là-dedans, quoi. Alors, absolument la GameCube, on va la mettre là. Voilà. Non, pas du tout, moi, Nintendo. Je repère Sega tous les jours, quoi. La GameCube, moi, je la mets un peu au niveau de la Dreamcast. C'est Wesh, mais presque. Mais en vrai, c'est. Où elle divise à mort, tu vois. Il y en a plein qui diront c'est une bouse, et il y en a plein qui diront putain, mais il faut la mettre dans un papa du game, quoi. Ouais, peut-être. Bon, moi, c'est une console que j'ai encore chez moi à la maison, et à laquelle j'ai joué il n'y a pas si longtemps. Rien que pour Donkey Konga, elle mériterait d'être dans The Wesh, mais presque. Mais je peux. L'argument du ça divise beaucoup fait que je la laisserai dans la catégorie Dreamcast. Ouais, ou alors on la met dans milieu finalement. Parce qu'il y aura non, rien parce qu'elle est quand même un peu au-dessus de milieu. En fait, faut voir parce qu'en théorie, dans une tier list, genre les papas. Enfin, là, le meilleur tiers, t'es censé en avoir les billes. T'es censé avoir, on va dire, je dis n'importe quoi. Si t'as 30 trucs, tu dois avoir 4 trucs au max dans les papas du game. Mais c'est tout pour le reste... ça. Après, là, on verra non, bien. Je pense que vraiment, on devrait y aller au feeling. La Xbox 360. Je la mettrais dans le milieu. Milieu, ouais. Après, moi, je mettrais toutes les PlayStation. À part la 2, je les foutrais tous dans milieu, voire overrated avec cet accent. Bah, alors, c'est mon point de vue personnel et je pense que tout le monde va gueuler, mais moi, PlayStation 2, c'est clairement overrated. Hein. Mais comment que... Mais, enfin, parce a que... Elle a marqué le game à l'époque où elle est sortie, plus oui, que n'importe quoi. Oui, d'accord, autre. Mais elle a marqué le game parce que c'était salut la tout. PlayStation. Ah, il y a Tourche. Ils nous traitent de bande de branleurs et ils nous connaissent très bien, visiblement. La Xbox en milieu du dessus... Tiens, on s'en bat les couilles. Ouais, tiens, toutes les slims, on va les mettre dans on s'en bat les couilles. Non, mais clairement, oui. Les slims ou les mini, on s'en fout. Enfin, voilà. Ça rime à rien de les classer. Ouais. Voilà, tout ça sent les yep. Merci pour le sub, Tourche. Merci pour le don de 500 000. Ah bah c'est bien, je peux me foutre à poil. Je fais du body paint. Pardon. C'est trop gentil, je suis en train de pleurer. C'est génial, c'est... La PS2 a marqué l'histoire, mais pas d'émotion particulière à son égard. Merci. Voilà. Dont Overrated. Donc elle a marqué l'histoire.
Bah, elle a marqué l'histoire parce que les gens ils sont jetés dessus. Voilà, la marque. En fait, ah, c'est vrai avec toutes les PlayStation de toute façon. Je vous dis la vérité vraie, la PlayStation 2, elle est responsable directement de la mort de la Dreamcast. Pour moi, elle peut que. Il a dit un truc sérieux, t'es responsable de la mort de mon oncle ou je sais pas quoi. Ça aurait été super. Parce que genre ma tante a complètement arrêté de le nourrir puisqu'elle jouait à la PS2 toute la journée. Ça aurait été moins grave que la PlayStation 2 responsable de la mort de mon oncle que de la mort de la Dreamcast parce que mon oncle, il y a que moi qui le connais. Alors que la Dreamcast, elle a été. Le monde entier l'a perdu, quoi. Mais elle a été boudée par les Japs, après. Pendant que vous débattez, je continue à mettre des consoles. La Wii, c'est plus une console de placard qu'une console de salon, puisque tu la sors que quand il y a des gens qui veulent jouer au bowling. Et mais enfin, voilà. Elle est dans mon salon depuis 5 ans et j'ai jamais allumé, en fait. Elle prend la poussière. Un point pour Yaku, est-ce que tu es vraiment objectif, Tourche ? Non, bien sûr que non. Est-ce qu'on mettrait pas la Wii U tout de suite dans Pudeyep là, puisque... Oui, la Wii U, tu peux la mettre tout en bas, plus la merde. Non, mais concrètement, ça pue la merde vraiment. Ça, je valide. Master System 2, tu la mettrais là. Oh putain, ouais. C'était tellement la meilleure à l'époque. Est-ce que Milieu, on l'appellerait pas Overrated ? Donc, Osef. Donc, on a deux balèques, finalement. Bah oui, mais ça fait beaucoup de balèques, là, pour le coup. Non, bah alors là, ça pue des yep. Et là, c'est des Slim, donc Osef. T'as un problème mieux. Pourquoi la Dreamcast et Gull ne sont pas en God Tier ? Parce que c'est de la merde. Mais non, mais... On n'a pas encore épuré. C'est pas un tiers, là. Regarde, il y a 17 catégories. Vu que t'as une manette Wii dessus. Oh, allez, hop. Ah, c'est une Wii Mini. Je savais même pas que ça existait. Les gars. Et alors, une Wii Mini. Ouais, on s'en fout, là. Ouh là là. La Switch. On l'a mis, la Switch. La Switch, pour le coup, c'est tiers... c'est ou papa ou... Ouais, je mets presque. Moi, je laisserai parler mon cœur. Je la mettrai là. Mais non, après, non, que si je laisse pas parler mon cœur, faut que je la mette quelque part ici, quoi. Ah non, mais ouais, je mets presque. Bon, le principe de la machine, c'est intéressant, quoi. Ouais, voilà, c'est intéressant. Intéressant, c'est ce que t'as dit. C'est comme le carton, quoi. C'est intéressant. Après, jouer, ça, on verra une autre fois, quoi. Ah non, mais non, c'est pas vrai. Le système des manettes que tu scindes pour faire deux manettes à tes potes... Je trouve qu'ils ont pris ce qu'il y avait d'intéressant dans la Wii du fait de la convivialité du jeu et ils en ont fait une vraie console par contre parce que la Wii c'était un jouet. Je te vois, hein, tu crois que je te vois pas te foutre de ma gueule, mais je te vois. Fous la gueule, j'ai enlevé le casque pour pas t'entendre. La PS3, elle est là. Elle est, ouais. Je l'ai bien aimé, j'y ai pas joué. Mais ouais, je mettrais dans les deux trucs du milieu, je dirais peut-être. Moi, je dirais quand même milieu du flux, ouais. Bon. Avec des bonnes licences de Uncharted qui ont démarré dessus, avec. Il y a eu des bonnes choses sur la PS3. Oui, c'était une bonne période. Je trouvais que la PS3 elle était mieux que la PS2 de mon point de vue. Non, mais pour moi, la PS3 c'est la dernière que j'aurais pu acheter. Je ne l'ai pas achetée, mais c'est la dernière que j'aurais pu acheter dans les. C'est la dernière que j'ai achetée, moi. La PS5 ne m'intéresse pas, ne va pas m'intéresser, je le sais. De toute façon, c'est à peu près la config que j'avais dans mon PC il y a 4 ans. Et la PS4, Osef. Bravo la condescendance, bravo. Bah, PC Master Race, et alors ? Je suis d'accord. D'ailleurs, elle est où le PC ? On va le mettre en top tier, mais tout en haut, ici, au-dessus. Au-dessus des papas du game, on met... Mega Drive, on la met où ? Moi, je dirais dans... Si la SNES, elle est dans papa des games, je mettrais la Mega Drive. Mais là, t'es obligé de la mettre tout en haut. Oui. Ah oui, c'est ça, elle est debout. Slim, ça pue pas des yep, la PS4. Ah bon. Bon, au milieu alors. La Saturn, je sais pas, c'est vrai, c'est dans un des deux milieux aussi. Un milieu moins, personnellement. Un milieu. Même s'il y a quelques licences cool, elle a quand même pas marché dès maintenant. Bah, moi j'aimerais bien l'avoir, hein, mais il y a juste genre 2-3 licences que j'aimerais bien avoir, quoi, mais c'est tout. C'est trop bien, sur Discord, on a Yako qui est à la perpendiculaire de nous, c'est magnifique. Sur le stream, il ressemble à rien. Quoi. En fait, les milieux, ce serait ça pue des yep, ce serait les milieux, quoi. Puisqu'on n'a rien. Et genre, c'est pas ouf, tu vois. En milieu, sinon, tu mets c'est pas ouf. Mets la Wii U dedans. Mais non, la Wii, ça pue la merde, genre vraiment, tu vois. Mais il y a que une qui en sera en pu, ça pue la merde, quoi. Bah ouais. Bah genre trash tier, tu vois, enfin, c'est normal en même temps.
ça reste des trucs de loisirs, donc pour que ça pue vraiment la merde. Alors, est-ce que dans le milieu du dessus, il y en a qui pourraient être en wesh, mais presque chaud. La GameCube éventuellement. Ouais, j'allais dire la GameCube et la Xbox. Et la Dreamcast. J'ai cru entendre un bruit, mais je sais pas si... T'as entendu ou pas? Non. Oui, j'ai entendu. Ah, peut-être il s'est rebarré, tu sais. Ah, il m'a niqué ma config, putain. Alors, du coup... Concours bidonné. Il y a Tourche qui s'enflamme. C'est vénère. Ouais, ça censure dans le chat, mais... Ça censure. Ah, il a regardé, il a allé voir le truc, c'est pour ça. Je pense que les 5 là, on est obligé de les garder comme ça. Moi, je dirais la 64, mais c'est parce que j'ai pas du tout d'affinité avec, mais je sais que dans l'absolu, il faudrait la laisser là. Ouais. Mais si je devais en virer une, je virerais la 64. La 64, elle a sa place, elle pourrait être dans Wesh mais presque. C'est vrai. Même moi qui viens de l'acheter, que j'ai reçu il y a deux jours. Ça va, t'es pas trop à la bourre, c'est bien. Ouais, Juju devait me la filer il y a 2 mois. Je pense qu'elle pouvait être entre les deux, mais elle a suffisamment de choses qui font que c'est papa du game, quoi. Parce qu'en vrai, c'est aussi une première console, pas pour nous, pour une autre génération. Et en allant sur cette console, c'est-à-dire en allant sur la 64, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont découvert des licences telles que Zelda, telles que Mario. Qui sont devenus des rétro gamers grâce à la 64. Mais là, pour moi, c'est pour ça qu'elle a sa place dans papa du game. Merci pour le follow, Tazerbal. La PS2. Moi, je ferais même ça. Ne touche pas la Dreamcast, je trouve. Mais oui, mais attends, mais tu fais quoi là? La Dreamcast. Mais non, mais après tout ça, ça devient un milieu. En fait. On va virer le milieu, quoi. Ah, tu veux faire plus qu'un truc. Il y a un milieu. Il faudrait faire ça, quoi. Et je suis assez d'accord. Oui, je t'ai mis ta Dreamcast maintenant. Oui, bien sûr, t'es d'accord. Dans Wesh mais presque, tu mettrais la Wii dans Wesh mais presque. Bah, vu qu'il n'y a plus que 3 vrais rangs, en fait. Enfin, je trouve qu'elle est plus que le milieu, tu vois. Ah non, pour moi, non. Ah non, moi non plus, parce que la technologie, elle n'a pas apporté grand-chose, hein. En vrai. Bah, en vrai. Est-ce que avant ça, tu faisais du volet chez toi, dans ton appart, tout seul, comme un connard? Mais non, mais même maintenant, on n'en fait pas. Il n'y a que toi qui fais du volet dans ton appart. Après ça, la question, c'est pas est-ce que avant ça, je le faisais. La question, c'est est-ce que après ça, je le faisais encore. Et non. Même eux, ils ont abandonné ce système-là, quoi. Comme ça, on verra. Alors, regarde, pour une fois, je suis d'accord avec Tourche. Mais en termes de vente et d'impact, la Wii est importante. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Autant sur la Dreamcast, je suis moyen d'accord avec toi. Et là, on n'est pas à ça que ce soit un papa du game, quoi. On est à ça que ce soit un wesh, mais presque. Donc on est au milieu. Et la Dreamcast, on est à ça que ça soit dans le milieu, quoi. Elle est dans le niveau bas du wesh, mais presque. C'est pour ça que la catégorie la Dreamcast que j'avais fait au début, elle était très bien. Oui, c'est uniquement esprit de contradiction, t'inquiète. Non, mais t'as raison, il faut mieux qu'on la mette là. Mais remets-moi la Dreamcast à sa place. Ok. Tu peux pas mettre la Dreamcast à la même catégorie que la Wii, c'est pas possible. Elle est forcément au-dessus. Oh, forcément au-dessus. Oh là là, ce qu'il faut pas entendre. Bon, bah voilà, je crois qu'on a on a notre tier list. La Wii U, elle est toute seule dans sa pue des yep. Bah, apparemment. On règle le problème. Et on fait une catégorie encore supérieure pour la Dreamcast. Ah non, nous on avait réglé le problème en faisant une catégorie pour la Dreamcast qui se trouvait entre milieu et ça pue des yep. Il a parfaitement raison, Tourche. Il faut mettre la catégorie Dreamcast tout en haut. Ouais, d'accord. Je crois pas. On fera... Ouais, c'est vrai qu'on fera les fromages. C'est une bonne idée. Et la charcuterie. Ah ouais, carrément. Ah oui, putain, il y a tellement. Tout un univers qui s'ouvre à nous. Tout un univers. Et l'espace de la réalité des années 2000. De la télé-réalité des années 2000. Et on peut quasiment renommer la chaîne en fait. Bon, et en vrai, on parlera rétro la prochaine fois. Mais en tout cas, voilà, merci à tout le monde d'avoir participé. Je sais pas combien vous étiez. Donc, avec cette vidéo, on vous annonce officiellement que on a la nouvelle émission Coup d'œil dans le rétro qui sera très prochainement à l'antenne sur Twitch tous les mardis, comme c'est écrit juste au-dessus là, tous les mardis à 21h. Et ensuite en VOD sur YouTube. On vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne Game Trip sur YouTube, youtube.gametrip.net, à la chaîne Twitch, twitch.gametrip.net, et puis tous les réseaux sociaux habituels, Facebook, Twitter, Caramel, voilà chat, MySpace, tout ça. ICQ. N'hésitez pas à nous envoyer des wins sur MSN. Exactement, plein de wins sur MSN. Et puis on se retrouve évidemment
On ne sait pas encore, donc suivez le site Game Trip et la page Facebook surtout. De temps en temps, on va sans doute streamer des conneries comme on vient de faire. Ce sera pas des plannings vraiment réguliers ou des trucs vraiment prévus. Donc continuez, restez sur Facebook et les réseaux sociaux pour savoir exactement à quel moment on sera en direct. Et sinon, le mieux, c'est de follow la chaîne, évidemment. Et de sub, vous pouvez pas, c'est normal, on a que 2 abonnés. Pour ceux qui n'étaient pas là, on a fait un tier list avec des pizzas aux ananas. Et c'était quoi? Et un tier list avec les pires religions du monde. Voilà, vous avez qu'à aller sur Twitch pour revoir tout ça. Ciao tout le monde! La bise!